Hey, coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, guidance générale, donc on ne prend simplement ce qui résonne au fond de ton cœur, de ton âme. On ne force pas les choses, on ne se fait pas des films. D'accord? Ici, le but étant de t'aider, de te donner des déclics et de pouvoir t'aider à grandir sur ton chemin de vie. Aujourd'hui, nous allons prendre l'oracle G ainsi que l'oracle de la triade et on va aller voir quels sont les messages pour toi. Avant de commencer, sachez que je ne contacte personne et je ne m'abonne à personne. D'accord? Allez, on y go, let's go! Alors, ce que je ressens ici, alors, il y a un événement qui est très, très proche, qui arrive très, très rapidement sur ton chemin de vie. Il y a un événement dû par certaines conséquences de ta situation. Tu prends ce qui résonne. Hein, et cet événement arrive très, très rapidement. C'est très, très proche. On parle de conscience aussi, de conscience. Hein. Allez, qu'est-ce que je peux leur dire ici? Qu'est-ce que je peux leur dire ici? Alors, si tu souhaites une guidance privée, n'hésite pas à me faire la demande. Il y a mon numéro de téléphone qui est inscrit sur mon TikTok ou bien mon email professionnel qui est or.plumedoré@hotmail.com. Je te rappelle, j'ai deux formules, une question précise ou une formule complète. Ok? Dans tout domaine confondu. Hein, dans tout domaine confondu, tout ce qui a requiert au niveau de la vie en soi. Hein. Pas de tabou chez moi! Allez, qu'est-ce que je peux leur dire ici, s'il te plaît? Alors, attends, celui-là est avant. Ok. Là est la triade. Qu'est-ce que je peux leur annoncer? Quel est cet événement qui arrive très, très proche? Faut que je me dépêche. Que, à mon... Et je sens qu'il y a encore des messages, mais... C'est une dinguerie. Hein. Alors, on a quoi en dos de deck? Ça me ratouille. Je ne sais pas si j'ai un truc dans l'œil. Alors ici, qu'est-ce qu'on te dit tout simplement? En dos de deck, on te dit pas d'inquiétude. Il y a peut-être eu des petits soucis dernièrement, un déséquilibre, une instabilité, de la dualité. Dû à un manque d'ancrage. Manque d'ancrage, manque de confiance en soi, manque d'amour de soi, manque d'information. Attention, te préconise aussi, je sais que c'est compliqué pour certains, certaines, ne te fie pas à tout ce que tu vois, mais ressens toujours avec le cœur. Hein, le cœur, l'âme. Je sais pas pourquoi je me le presse, mais bon. Toujours, toujours. Ok? Attention, les apparences sont souvent trompeuses. Ok, toujours, si tu as un doute de ce que tu perçois, de ce que tu vois, mais ton cœur, ton âme te fait ressentir autre chose, vraiment, c'est ça qui est primordial. On écoute toujours l'âme, son âme, son ressenti. Ok. Donc ici, on te dit, il y a possibilité aussi qu'on t'aide, hein, qu'on t'aide à retrouver une forme d'équilibre, d'alignement, de prendre aussi un autre chemin. Ou avoir une meilleure conscience. Ou avoir une meilleure conscience. Il est possible que ce soit quelqu'un, que ce soit une personne terrestre ou céleste, hein, les deux. Je ressens plus céleste, hein, clairement. Et c'est quelqu'un qui est quand même que tu as connu ou que tu connais en tous les cas. D'accord? Mais plus céleste, hein, j'entends. Quelqu'un qui a possiblement aussi une chevelure claire. C'est quelqu'un qui veut t'aider, qui veut t'aider. Pourquoi? Tu as eu un parcours très long, la route très longue, très très longue. Il y a une énergie peut-être un peu d'épuisement, d'incompréhension.
Un peu de colère aussi, je ressens un peu de colère. La colère n'avance à rien, les amis, hein. Faites bien attention à cela aussi. Tu vois, on va te permettre d'avancer, retrouver aussi possiblement la boussole intérieure, hein, donc l'amour de soi, l'équité, l'équilibre pour pouvoir avancer ici. Hein. Donc, il y a un déplacement, mais ce que je ressens ici, c'est quoi? C'est qu'on a envie de t'émettre ici avec l'aide, hein, de cette personne céleste. Ça peut être un ange, ça peut être un défunt, ça peut être comme tu le ressentiras. Ici, on va te guider et on va te faire prendre conscience que justement cet événement qui arrive, dû par certaines conséquences qu'il y a eu sur ce chemin dans la matière, qui fait que ça arrive. Donc ça peut être quelqu'un qui arrive vers toi. En tous les cas, il y a un déplacement, il y a de l'action. OK? Et ça, c'est pour venir à toi ou toi, venir à vers quelqu'un. Ok? Tu auras toujours le choix. Mais sache qu'ici, c'est vraiment une forme de bénédiction qui arrive vers toi. Et c'est possiblement le retour d'une personne que tu connais déjà. Ou bien nouvelle personne, on me dit. Nouvelle personne ou retour, peu importe ici. Ok? Allez, on y go parce que j'ai peur de ne pas avoir trop de temps. Ici, on te parle de quoi? Ben voilà, on te parle d'un juste milieu, d'un équilibre, d'un alignement à laquelle on va t'y aider à retrouver, hein, à te retrouver toi-même, à t'aimer et surtout l'équité. Surtout l'équité. Alors, il est possible ici, hein, de ce qui arrive vers toi ou une personne qui arrive vers toi était vraiment pas du tout juste, hein. Il y avait vraiment un déséquilibre. Et que là, vraiment l'équilibre. OK? Et puis, on voit bien ici, il y a quelque chose qui t'a cassé, il y a quelque chose qui t'a brisé, il y a quelque chose qui t'a perturbé. OK? Mais on te dit, des fissures, on en aura toujours. Des failles, on en aura toujours. Il faut que tu arrives à te remonter, reprendre force. Mais surtout la confiance de soi, l'amour de soi, important. Et puis ici, on nous dit, oui, vous êtes des personnes de lumière, certes, mais vraiment avec un engouement d'énergie très positive, très lumineuse. Et il faut que tu retrouves cela. C'est très important de retrouver cela pour que tu puisses aussi réceptionner cet événement qui arrive vers toi. Hein. Si tu te perds, si tu n'es pas bien, si tu es instable. Il y a une forme de manque de maturité qui sera présente et qui sera pas bon pour cet événement qui vient à toi. N'oublie pas, il y a une forme de protection plus qui vient à toi. Il y a l'étoile aussi. Il y a vraiment de très très belles choses qui arrivent. Et on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de travail qui ont été faits. Alors, au niveau de ton psyché ou tout simplement de certaines blessures que tu as eues. Alors que ce soit toi ou une personne, hein, peu importe, faut vraiment que ça résonne au fond de ton cœur. Et puis, on voit bien qu'ici, il y a des papiers. Alors, possiblement des partenariats, des contrats. En tous les cas, je vois bien quelque chose qui approche à toi. Ça peut être aussi, on parle papier signature, donc partenariat, des avenants de contrat. Peut-être aussi un nouveau travail, quelqu'un qui vient te délivrer son amour et à laquelle... On veut s'engager avec toi. Et puis, on me parle aussi de notaire ici, hein, de notaire. Peut-être aussi quelque chose qui vient à toi au niveau notarial. On voit bien qu'ici, il y a une fin. Il y a une fin de cycle qui fait que enfin, tu vas pouvoir être soulagé. Enfin, tu vas pouvoir être mieux connecté aussi avec toi, avec ta propre conscience, concrètement, avec une meilleure réalité de ressenti. Il est possible aussi au niveau notarial que c'est quelqu'un que tu as perdu récemment. Et donc, c'est tout mélangé. Il y a beaucoup de messages. Hein. On te dit, tu as une nouvelle vie qui arrive vers toi ici, nouvelle grossesse. Donc, c'est nouvelle vie. Pas de hasard. Tout est prédestiné et tu le reçois. Et c'est avec certitude. Je me dépêche. J'ai vu beaucoup de messages. Il y a beaucoup d'émotivité sur ce nouveau départ pour toi, consultant, consultante. Il y a des frères, âmes sœurs ici, ceux et celles qui vont se retrouver. C'est bien enraciné. Aie confiance à l'univers, l'avancement qui vient vers toi, l'événement, c'est ça. Lumière retrouvée, plus, la sagesse et le temps est fini. Le temps arrive, dont un événement très proche, âme sœur ou quelque chose notaire.